A. She told her I was the B-I-Z, M as an A. She said she know my reputation, know I got clout, and like to get to know me without no doubt. So we thought I'd have a long telephone conversation, trying to find I have a long telephone conversation, trying to find I have a long telephone conversation, trying to find I have a long telephone conversation, trying to fill each other out, showing a lot of patience, or the fill each other out, showing a lot of patience, or the fill each other. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce quatrième live de Students Mobility. Aujourd'hui, on va parler du cursus de pharmacie, donc cursus de pharmacie en Espagne. Et pour du coup parler de tout ce qu'il faut savoir sur ce cursus, j'ai le plaisir d'être accompagné d'une part de Nina. Salut Nina, comment vas-tu? Très bien, merci. Donc, et vous? Toi Louis? Et Louis, bien sûr, il y aura Louis aussi qui va nous accompagner tout au long de ce live pour donner toutes les informations dont vous aurez besoin pour candidater en Espagne. Bonjour Louis, comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va très bien, Pierre. Effectivement, je suis très heureux d'être là pour ce nouveau live. C'est vrai que pharmacie, c'est une étude un peu plus confidentielle que les sujets qu'on a abordés précédemment pour l'Espagne. Moins de personnes sont au courant que les études de pharmacie en Espagne sont bel et bien accessibles et bénéficient aussi de procédures un petit peu facilitées par rapport à ce qu'on trouve en France. Donc c'est vrai que c'est un live qui va être, je pense, intéressant pour les étudiants potentiellement intéressés, pour qu'ils le revoient éventuellement en rediffusion et pour qu'ils soient informés des procédures qu'on va aborder ce soir. Yes, merci beaucoup. Alors effectivement, hein, nous, donc Students Mobility, on va pouvoir être en mesure de vous accompagner sur l'orientation et le processus d'admission sur le cursus de pharmacie. Voilà, on va pouvoir vous accompagner sur toute cette partie-là. Et si jamais vous voulez effectivement poursuivre l'aventure avec nous, si vous êtes reçu, Students Mobility pourra également vous accompagner sur des services annexes, notamment le crédentiel des accessos. Nous aurons l'occasion d'y revenir durant ce live et également vous apporter une aide à la recherche au logement. Alors, je propose qu'on démarre hein, sans plus attendre, Louis, peut-être avec l'orientation et la procédure d'admission. Comment fait-on en fait simplement pour candidater en Espagne en pharmacie? Oui, alors ceux qui ont déjà vu nos lives précédents vont être assez peu surpris des procédures. Finalement, c'est assez classique. C'est des procédures qu'on va retrouver sur quasiment l'ensemble du cursus de la santé en Espagne pour les universités privées, puisque nous, pour rappel, on accompagne les étudiants sur les projets d'études en Espagne. On vous accompagne sur tout ce qui est procédure de candidature et d'inscription. On vous aide en fait à déposer vos dossiers au sein de différentes universités en Espagne et à gérer toute la partie administrative. Et nos services dans ce domaine, notamment si vous connaissez sur l'université partenaire, sont entièrement gratuits. Alors, la première étape pour candidater sur ces universités du coup privées dont le diplôme est reconnu au niveau européen, ça va être généralement l'étude de votre dossier scolaire. Les universités vont vous demander vos relevés d'aide du lycée, généralement. Seconde, première, terminale, bac. De manière générale, les universités vont plutôt regarder les notes des matières scientifiques, bien que ça puisse dépendre éventuellement des différentes universités. Mais effectivement, pour donner un indicateur, le dossier médian pour la pharmacie, c'est-à-dire le dossier où on a à peu près autant de chances d'être admis, autant de chances d'être refusé, c'est à peu près entre 13 à 13,5 de moyenne. Plus on est au-dessus de ce 13 à 13 moyenne, meilleures sont les chances d'admission et inversement. À nouveau, je sais que je le répète souvent pour les lives, mais ceci est un indicateur, ce n'est pas une vérité générale absolue, notamment parce que ça va dépendre du niveau des autres étudiants. C'est-à-dire que s'ils ont plutôt 14, 15 de moyenne, eh bien la barre peut monter, et s'ils ont plutôt 11, 12 de moyenne, la barre peut éventuellement descendre. Donc prenez-le plutôt comme un indicateur général, pas comme une vérité absolue. Sachez aussi que même si votre dossier scolaire est inférieur à ses moyennes, il y a d'autres moyens d'influer sur vos chances d'admission, et notamment sur les étapes ultérieures qu'on va voir juste après. J'enchaîne directement du coup la deuxième étape, qui est donc l'étude de votre niveau de langue ou de vos niveaux de langue au pluriel. Pour la pharmacie en Espagne, on va trouver deux possibilités en termes de langue. La première, qui sera assez peu surprenante, c'est de candidater en espagnol. Bien sûr, si vous souhaitez candidater en espagnol, vous aurez besoin d'avoir un certain niveau en espagnol. Et ce niveau, vous devrez le démontrer dès la candidature. Même chose si vous optez pour la seconde possibilité. La seconde possibilité, c'est la suivante.
C'est de faire notamment les deux premières années en anglais et ensuite de basculer en troisième année en espagnol. À ma connaissance, notamment, l'université du CEU Cardenal Herrera de Valence, hein, si je ne me trompe pas, propose ce type de format pour les étudiants qui n'ont pas encore acquis un niveau d'espagnol suffisant pour suivre les cours et qui seraient potentiellement plus à l'aise en anglais. Donc, je n'avais rien. Je fais un petit résumé. Première étape, étude de votre dossier scolaire. Deuxième étape, les universités vont vérifier vos niveaux de langue, comme vous le disiez, soit en espagnol, soit en anglais, en fonction du cursus que vous avez choisi. Et les universités, pour vérifier vos différents niveaux de langue, elles vont vous transmettre des tests. Un peu les tests, Lina, peut-être vous en dire un peu plus sur comment ça se passe. Oui, alors en général, ce sont des tests en ligne que vous pouvez faire chez vous, on dit toujours à n'importe quelle heure, toujours au de la nuit, parce que ce sont des liens qui vous sont transmis et ce sont des QCM de grammaire, compréhension écrite et compréhension orale. Donc voilà, des centaines de questions en général sur ces trois thèmes. Et ça permet, en fait, les questions vont de la plus facile à la plus difficile. Et donc ça permet d'estimer votre niveau de langue. Donc, voilà. Il suffit de se familiariser un petit peu au format du test et voilà, avec quelques tests qu'on peut trouver en ligne. Ce sont donc, ça prend la forme de QCM, hein, c'est bien ça. Et on a 50 minutes pour réaliser l'ensemble du test. Ouais, 50 minutes par langue, oui, parce qu'il faudra de toute façon faire le test d'anglais et le test d'espagnol, puisque ce sont des procédures obligatoires. Peu importe la langue du cursus. D'accord. Et est-ce que effectivement, est-ce que il y a des points négatifs sur ces QCM ou pas? Alors, de toute façon, vous n'aurez pas le score et vous n'aurez pas D'accord. les réponses une à une. Vous aurez le score global, donc le niveau atteint. OK. Du coup, vous ne pourrez pas savoir, en fait, malheureusement, On à connaîtra quelle son question niveau. vous avez eu faux. D'accord. Et c'est vrai que bien sûr, ça paraît évident, mais seul le test espagnol soit important si vous connaissez en espagnol, et seul le test d'anglais soit réellement important si vous connaissez en anglais. Oui, effectivement, il y en a un. Donc, si vous candidatez en espagnol, le test d'espagnol est éliminatoire, et C'est ça. inversement, si vous candidatez en anglais. Alors, pour les niveaux de langue qui vont être demandés, alors ça va fluctuer un petit peu en fonction des universités, mais comme on l'a présenté brièvement, globalement, dans la plupart des cas, vous devrez avoir au grand minimum un niveau B1 et même plutôt également ce qu'on appelle un niveau B2 en espagnol, du coup, si vous étiez en espagnol ou en anglais, si vous étiez en anglais. Le niveau B1, B2, à nouveau, je me tourne vers toi, Nina. Est-ce que tu peux en dire un peu plus par rapport à ces différents niveaux de langue? J'étais prof de langue, donc ça me connaît. Le niveau B1, c'est un niveau, on va dire, plutôt scolaire. Quand on dit scolaire en France, je pense qu'on a un peu ce niveau en tête, donc on fait encore des fautes de grammaire. On n'est pas à l'aise sur des sujets qu'on ne connaît pas. Donc, voilà, il manque encore du vocabulaire. Mais on arrive quand même à se faire comprendre, à avoir une conversation sur des sujets communs et qu'on connaît. Et niveau B2, c'est marche un petit peu au-dessus. C'est un niveau où on fait moins de fautes de grammaire, beaucoup moins, et où on est beaucoup plus à l'aise à l'écrit, à l'oral, aussi en compréhension. On arrive à comprendre des accents des fois un petit peu plus difficiles. Et juste, voilà, on arrive à s'exprimer sur des sujets qui sont de plus en plus éloignés de soi. D'accord. Et donc, dernier point sur ces tests, ça comprend de la compréhension orale, hein, c'est ça, de la compréhension écrite et du coup une partie grammaire également. C'est bien ça? Ok. Exactement. Donc là, on a fait le tour des deux premières étapes, le dossier scolaire et les tests de langue à réaliser en ligne. Il y aura généralement une troisième étape. Alors, elle n'est pas systématique, mais dans la plupart des cas, elle aura tout de même lieu, c'est l'entretien de motivation. L'entretien de motivation, c'est un échange qui généralement aura lieu en visioconférence avec l'un des professeurs de l'université. Ça dure entre un quart d'heure et une demi-heure, et ce sera l'occasion pour vous, eh bien, de défendre et de présenter un peu votre projet professionnel. Par exemple, pourquoi vous êtes intéressé par la pharmacie? Est-ce que vous savez déjà si vous souhaitez être dans un cabinet, dans votre hôpital, dans tel ou tel domaine, en officine, en laboratoire, ce genre de choses? Ce sera aussi l'occasion pour vous de présenter un maximum d'éléments
concrets qui mettent un petit peu en avant votre connaissance du métier. Par exemple, si vous avez déjà pu faire des stages, des découvertes, des initiations dans le domaine de la santé et plus particulièrement dans le domaine de la pharmacie, il ne faudra pas hésiter à le mettre en avant. C'est toujours un élément important qui peut jouer en votre faveur. Autre élément qui malheureusement dépend un petit peu de votre environnement, si jamais vous avez personne dans votre cercle amical ou dans votre cercle familial qui travaille déjà dans le domaine de la santé, là aussi, n'hésitez pas à le mettre en avant. De manière générale, plus les universités ont d'éléments qui leur permettent de se dire que vous connaissez un peu le métier, vous savez que vous allez mettre les pieds, plus ça joue en votre faveur. Les universités ont peur des étudiants qui découvrent, enfin un peu peur des étudiants qui découvrent entièrement, puisque lorsqu'on découvre, on peut être déçu, et lorsqu'on est déçu, on peut abandonner. Donc c'est quelque chose à garder à l'arrière de sa tête lorsqu'on fait l'entretien, notamment de motivation, si vous souhaitez augmenter vos chances d'admission. Oui, et puis il faut se préparer aux questions classiques, un petit peu d'entretien d'embauche, les qualités, les défauts. Parfois, les professeurs ils vont vous demander pourquoi est-ce qu'on vous choisirait vous, quelles sont vos qualités. Il faut essayer un petit peu de se vendre, comment on peut être un bon professionnel, mais aussi un bon étudiant pour l'université, comment vous pourriez vous intégrer aussi à l'université. Donc, des questions assez classiques. Ok, donc en fait, il ne faut vraiment pas hésiter à se mettre en avant auprès du professeur, en tout cas la personne qui nous fait passer l'entretien, et pas avoir peur pas avoir la grosse tête, mais vraiment de mettre ses qualités en avant, quoi. Oui, mais des qualités, il faut bien sûr, il faut que ce soit relié, il faut arriver toujours à faire des liens. Évidemment. Et avec ce que le professeur dit, mais on fait confiance aux étudiants pour ça. Ouais, tout à fait. Le mieux à faire, généralement, en tout cas pour parler d'expérience ou en tout cas dans des entretiens, c'est effectivement parler d'une expérience, poser le contexte, dire ce qu'on a fait, etc. Et démontrer un apport, en tout cas, soit un apport d'expérience, un apport de connaissances. Voilà, j'ai pu faire un stage d'une semaine ou de plusieurs mois dans une pharmacie. Ça m'a permis de découvrir le métier, ou voilà, ça, il faut toujours ressortir en tout cas une conclusion d'une expérience qu'on aurait fait. Alors, par exemple, Pierre, que vous ne voyez pas forcément ici, mais que vous entendez, est passionné de Rubik's Cube. Et voilà. Du coup, en entretien, il devrait créer un lien entre sa passion pour le Rubik's Cube et les qualités nécessaires pour être un bon pharmacien, par exemple. Par exemple. Pour imaginer un lien entre les capacités de rigueur nécessaires à la profession. Peut-être. Je me permets une petite anecdote, mais effectivement, moi, j'avais passé un entretien de motivation dans une école et on avait un questionnaire à remplir et à la fin du questionnaire, il y avait marqué « Dites-nous quelque chose sur vous qui nous permette de se rappeler de vous. » Alors au début, je cherchais un peu des phrases bateau. Je suis le quatrième d'une famille de 5 enfants et tout. Et puis à un moment donné, je me suis dit « Oh non, je vais mettre un truc un peu surprenant. » J'ai mis « Sortez vos chronomètres. » Et donc à la fin de l'entretien, le professeur sort son chronomètre et je sors mon Rubik's Cube et j'ai fait le Rubik's Cube donc en à peu près une minute et ils étaient complètement conquis et du coup j'ai pu rentrer dans cette école. Donc voilà, il faut réussir à marquer d'une manière ou d'une autre la personne qui vous fait passer l'entretien. Tout à fait. C'est vrai qu'on s'éternise un petit peu sur ce sujet. C'est vrai que c'est un point important parce que beaucoup d'étudiants ont toujours un petit peu peur aux entretiens. Généralement, quand on a 17, 20, 22, 23 ans, on n'a pas beaucoup d'expérience encore sur ces entretiens, ce type d'exercice. Et c'est vrai qu'on a souvent beaucoup d'appels d'étudiants ou de parents qui souhaitent qu'on les rassure un peu à ce sujet-là. Tout à l'heure, j'ai mentionné le fait que c'est toujours intéressant de mettre en avant des personnes aux connaissances qui travaillent dans le domaine de la santé. Si vous n'avez pas, bien sûr, ces contacts-là, vous pouvez sur vos qualités, sur vos hobbies, sur vos passions, tout ce qui peut avoir un lien avec vous et aussi avec un petit peu, bien sûr, l'exercice du métier qui vous intéresse. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fait cet entretien? Alors, ça dépend, je suppose, des universités, mais parfois ça peut être vraiment un questionnaire, parfois ça peut être un entretien en visio. Ça dépend vraiment des universités. Une fois qu'on a effectué cet entretien, concrètement, quelle est la suite du process? Alors, donc là, on a passé 3 étapes, le dossier scolaire, les tests de langue et l'entretien de motivation. Désormais, l'université, elle va revenir vers vous avec une réponse positive ou une réponse malheureusement négative.
Alors, si la réponse est négative, eh bien, généralement, la posture va s'arrêter là, en tout cas pour l'université en question. Sachant que vous pouvez tout à fait déposer plusieurs dossiers en même temps. Alors, il y aura quelques cas particuliers si l'université vous met en liste d'attente, on verra ça un peu plus tard. Mais globalement, si la réponse est négative, le mieux, c'est d'avoir quand même prévu une autre université en seconde ligne pour multiplier vos chances d'admission. Si heureusement la réponse est positive, très bonne nouvelle déjà, félicitations. Et bien dans ce cas-là, l'université va vous donner une semaine pour réfléchir et elle va vous demander si vous souhaitez une semaine à 10 jours. Elle va vous demander si vous souhaitez confirmer ou non votre inscription. Jusqu'à maintenant, dans la très grande majorité des cas, candidaté était parfaitement gratuit, puisque pour rappel, nos services sont gratuits dans ce domaine et en passant par nous, vous ne payez pas, dans la plupart des cas, les frais des tests d'admission. Par contre, là, si la réponse est positive, eh bien, l'IST va vous donner effectivement ce délai, une semaine à 10 jours, pour valider ou non votre inscription. Si vous souhaitez valider votre inscription, l'IST va vous demander notamment de payer ce qu'on appelle des frais de réservation place et des frais de création de dossier. Alors, l'ensemble de ces frais, vous allez les retrouver en pièce jointe dans la brochure que vous pouvez télécharger un peu plus bas dans les liens YouTube, juste en dessous. Télécharger ou consulter, en tout cas. Et vous verrez que ces frais vont généralement osciller entre 1 000 à 2 000 euros en fonction des universités en Espagne. Une fois que ces frais sont payés, votre place sera donc réservée jusqu'à la rentrée en septembre. Et en septembre, ce sont les frais de scolarité qui vont intervenir. Les frais de scolarité, à nouveau, pour ces universités, alors ça va dépendre un peu du choix de la langue, soit 100% espagnol, soit avec les premières années en anglais, mais ils vont osciller entre 9 à 12 000 euros généralement. Pour ces études de pharmacie en Espagne. Je précise que ces études durent 5 ans. En tout cas, si vous souhaitez pas forcément vous spécialiser, plutôt travailler directement en officine, ces études vont durer 5 ans. Et bien sûr, il ne faudra pas oublier pour considération tout ce qui est frais de logement et frais de nourriture. Là-dessus, notamment pour les frais de logement, sachez qu'on pourra vous accompagner sur la recherche. Voilà pour les différents cas de figure. J'ai juste mis de côté un cas de figure particulier qui est, si la réponse est négative, l'université peut aussi vous placer en liste d'attente. Et là, je pense qu'on y va, tu peux en dire un peu plus. Oui, c'est d'ailleurs souvent le cas. En fait, si on ne répond pas aux prérequis de langue, qui sont donc des prérequis, si on n'a pas le niveau demandé par l'université, là, la candidature peut s'arrêter un peu net. Mais si vous êtes allé jusqu'au bout de la procédure de candidature et que vous n'avez pas reçu une réponse positive, il est très fort probable qu'en fait votre dossier soit conservé par l'université sur une liste d'attente, effectivement. Et donc là, ça va dépendre des sessions d'admission. Votre dossier pourrait être réévalué après les différentes sessions d'admission après vous, ou directement à la fin de l'année, après les désistements des étudiants qui auraient trouvé une université ailleurs ou qui ne souhaiteraient pas finalement s'engager auprès de l'université. Donc, il peut y avoir des admissions tardives, même à l'été avant la rentrée. D'ailleurs, au niveau des sessions d'admission, alors je sais que ça dépend souvent des universités, des cursus, etc. Est-ce que là, en l'occurrence pour pharmacie, on a des dates fixes ou ça se fait comme certaines filières, un petit peu au fil de l'eau, les admissions et les réponses d'admission? Dans la plupart des cas, ce sera au fil de l'eau. Les universités traitent les candidatures au fur et à mesure. On va parler des dates un petit peu après. Et, d'ailleurs, je vais me rebondir dessus et en profiter. Merci Pierre. Avec plaisir. Et j'en profite pour parler un petit peu des dates. Mais sachez que globalement, les réponses d'admission, vous aurez généralement une semaine après votre entretien de motivation, si vous êtes allé jusqu'à l'entretien de motivation. La procédure, sa totalité, prend entre 3 et 4 semaines dans la plupart des cas pour mener votre candidature à bien. Et ensuite, vous avez vos réponses positives ou négatives. Alors justement, par rapport aux dates, il faut savoir que les inscriptions sont déjà ouvertes en Espagne depuis le mois de novembre. Idéalement, on vous encourage à candidater dès que possible pour rester sur les premières sessions d'admission. Enfin, en tout cas, on sait que jusqu'au mois de février-mars, à peu près, il reste encore un nombre relativement important de places disponibles pour ces études. Dès qu'on a dépassé le mois de mars, ça devient beaucoup plus compliqué.
en tout cas pour la plupart des universités. Donc vraiment, en faisant quoi pour y être dès que possible, mais surtout de ne pas dépasser, on va dire, la mi-février, dans le pire des cas. En tout cas, pas si vous souhaitez rester sur les premières sessions d'admission, qui ont du coup plus de places disponibles, et du coup, mécaniquement, ça augmente hein, vos chances d'admission, tout simplement. Donc effectivement, ça c'est par rapport aux dates. Alors concrètement, comment candidater, justement? Alors, si vous avez déjà en tête le nom des universités qui vous intéressent, parmi notamment la brochure que vous trouvez en lien, vous allez tout simplement juste à revenir vers nous, par téléphone ou par mail, je crois qu'à nouveau il y a les liens un peu plus bas, vous n'avez qu'à revenir vers nous directement en nous donnant le nom des universités qui vous intéressent, et ensuite nous, on vous enverra vos dossiers de candidature à compléter. On n'a plus qu'à compléter ces dossiers, nous les renvoyer, et ensuite nous, on vous accompagne sur tout ce qui est test et entretien de motivation. À nouveau, je sais que j'insiste un petit peu, mais candidater, c'est gratuit et ça n'engage en rien. Voilà. Si vous souhaitez plus d'informations, si vous avez des questions, vous pourrez aussi prendre un rendez-vous, notamment sur notre site internet, avec l'un de nos conseillers. Généralement, c'est des échanges qui vont durer entre 20 minutes et une demi-heure aussi, un peu comme les entretiens de motivation d'ailleurs. Mais là, ce sera vraiment pour répondre à l'ensemble de vos questions et vraiment pour résumer à nouveau tout ce qui est procédure de candidature et d'inscription pour qu'il n'y ait plus aucun doute à ce sujet dans votre esprit si vous souhaitez vous lancer. Ok. J'ai un petit peu résumé. Merci. Non, tu es très clair. Très clair. Alors, bon, il n'y a pas grand monde en ce moment sur le live, mais j'invite. De toute façon, tous les étudiants qui se sont inscrits et les parents des étudiants qui se sont inscrits sur le live hein, à revoir ce live en rediffusion, il restera disponible. Donc, pas de stress à ce niveau-là. Hein. Voilà, bon, simplement, c'est dommage parce qu'effectivement, le live, c'est l'opportunité et l'occasion de poser vos questions en direct pour que nous y répondions. Mais pas de problème, vous pourrez toujours nous contacter par la suite, par mail ou par téléphone. Ok, donc la suite des procédures là, c'est quoi? Là, on a fini tous les tests d'admission, on a déposé notre dossier aux différentes universités. Admettons du coup qu'on est admis. Qu'est-ce qui se passe? Alors du coup là, je mets de côté ce qu'on a déjà évoqué, hein, c'est donc le paiement des frais, ensuite rendez-vous à la rentrée en septembre. Maintenant, effectivement, on est en train de préparer la rentrée dans la partie pratique, hein, notamment la recherche de logement. Et tous les aspects vivre un pays à l'étranger. Là, effectivement, il y a différents points. La recherche de logement, demander une carte d'assurance maladie européenne, ce genre de choses. Alors, par rapport à la recherche de logement, justement, sachez que nous, pour le coup, c'est un des services supplémentaires qu'on peut vous proposer. Si vous souhaitez bien avoir de l'aide, parce que c'est vrai que rechercher un logement en Espagne, ce n'est pas forcément simple. Notamment si vous n'avez pas une grande maîtrise de l'espagnol, ou simplement si vous n'avez pas le temps de le faire, sachez qu'on pourra prendre l'ensemble de vos critères de recherche, qu'on pourra faire la recherche pour vous de ces offres, vous fournir des offres qui correspondent à vos différents critères de recherche, vous les transmettre et même vous accompagner ensuite sur le reste des procédures si du coup vous souhaitez valider ces réservations. Là par contre, ce sont des services payants qu'on propose. Alors Pierre, tu peux me redonner peut-être le tarif de ce service, mais... Alors, pour la formule payante, je n'ai pas le tarif en tête. Simplement, effectivement, nous, on propose une formule premium, donc on n'a pas encore parlé du crédentiel, hein, il me semble. Le crédentiel, Louis va vous en parler tout de suite. Simplement, effectivement, on propose une formule à 660 € qui va, permettre d'obtenir le crédentiel des accessos, qui est une procédure administrative à faire auprès d'un organisme d'État espagnol. Et également, avec ces 660 €, vous allez avoir notre formule d'aide à la recherche au logement. On va simplement vous accompagner effectivement dans vos recherches, on va récupérer vos critères, on va vous aider, vous proposer des offres, et on va vous accompagner en fait sur tout le processus de recherche de logement. Alors, ces services qu'on vous propose, hein, je vous le précise, ce sont les services qu'on vous proposera, notamment qui seront le plus pertinents pour vous, c'était en cas de réponse positive, notamment. Et ce sont les services indépendants, ce sera à vous de vous dire si vous intéresse ou non, et si vous souhaitez y souscrire ou non. Pour rappel, si vous avez besoin de vous pour candidater, le service reste gratuit. Voilà.
En tout cas, pour l'université partenaire. Par contre, du coup, pour le crédentiel d'accesso, tu l'as rapidement évoqué, Pierre, que Nina pourra en dire un peu plus. Oui, alors en fait, la recherche de logement et le crédentiel d'accesso, ça va être quand même les deux étapes importantes de l'été, en fait, de l'été avant la rentrée. Et le crédentiel d'accesso, c'est la conversion de votre baccalauréat vers le système espagnol pour aller à l'université en Espagne. Il faut juste convertir ses notes du système français vers le système espagnol. En Espagne, les notes sont sur 10, donc déjà, voilà, il faut ramener vos notes sur 10. Et ça, cette procédure-là, elle est obligatoire, elle est demandée par toutes les universités. Et c'est l'UNED, donc c'est une institution nationale espagnole qui est reliée au ministère de l'Éducation espagnole, qui délivre ce document. Et nous, ben, on peut vous aider à faire la demande pour vous intégralement auprès de l'UNED, puisqu'on est partenaire avec eux. Et on le fait et on vous donne le document qu'il faudra juste ensuite transmettre à l'université. Ok, merci. Donc effectivement, cette procédure auprès de la UNED coûte 115 euros, hein, c'est bien ça. Et nous, on facture notre service 270 euros et dans ces 270 euros, nous payons directement les 115 euros auprès de l'organisme espagnol. Oui, les 115 euros, c'est la taxe du document que demande l'UNED. Donc, dès qu'on demande un document administratif en Espagne, il faut payer une taxe. Et ça fait partie, du coup... Je te rassure, Nina, en France aussi. En France aussi. Okay. On aime les taxes, on aime les taxes. Je précise que Nina vient d'Espagne. Voilà. Oui. C'est vrai, je ne sais même plus en France comment ça se passe. Après, pour des questions très pratiques... comme je disais, si vous êtes admis en Espagne, demandez une carte d'assurance maladie européenne. Vous aurez la même couverture à peu près qu'en France. Bien sûr, les remboursements seront un peu plus importants, mais vous aurez à peu près la même couverture qu'en France. C'est vraiment l'étape essentielle à réaliser, demander votre carte d'assurance maladie européenne. Au point de vue bancaire, la plupart des banques, généralement, vous permettent d'effectuer des opérations en Espagne sans frais supplémentaires. C'est tout de même à vérifier, puisque certaines banques, notamment, vous limitent à 10 opérations par mois en Espagne, banque française, je précise, si vous souhaitez consulter votre banque en France. Vous limitez à une dizaine d'opérations par mois gratuites, et au-delà, c'est 1 euro par opération. Alors, 1 euro, ça peut vite chiffrer, hein, parce qu'une opération, ça peut être acheter un paquet de biscuits en sans contact à l'épicerie du coin. Donc, ça peut vite. Monter en termes de tarifs, pensez à consulter votre banque habituelle, voir si vous n'avez pas de frais supplémentaires en Espagne, quand vous vivez en Espagne, pour des opérations bancaires en Espagne. Il y a pas mal de cartes jeunes, de toute façon, moins de 30 ans, qui le permettent, mais il faut faire attention, effectivement, un peu au partenariat entre banques françaises et espagnoles. Des fois, il faut aller dans un guichet en particulier. Pour pas avoir de commission, mais voilà, il suffit de le savoir, de se faire peut-être piéger une fois, et puis voilà. Les partirez à la HSBC si vous n'y êtes pas, sinon ça commence à chiffrer. Non, mais c'est... Je ne suis pas de chance dans cette banque, mais... Ouais. Sinon, pour les autres points pratiques, tout ce qui est forfait téléphonique, bon, là, à nouveau, la plupart des forfaits téléphoniques vous permettent de... réaliser des appels ou des SMS dans l'ensemble de l'Union européenne sans frais supplémentaires. Pensez tout de même à vérifier que c'est bien le cas de votre forfait qui n'est pas bloqué. Petit point qui a parfois rendu confus certains étudiants, il faut aussi vérifier que la personne qui reçoit l'appel n'est pas surfacturée si elle reçoit des appels de l'étranger. Je sais que j'ai eu le cas d'étudiants qui appelaient leurs grands-parents et les grands-parents étaient encore sur des forfaits qui dataient un petit peu. Forfait qui datait un petit peu, qui était bloqué. Et ça fait des belles factures pour les grands-parents. Donc pensez à vérifier ce point-là. On ne sait jamais. Maintenant, ça devient de plus en plus obsolète, ce genre de problématique, mais pensez tout de même à vérifier. On ne sait jamais. Et puis, si nécessaire aussi, gardez un forfait free à 2 euros en France si vous voulez conserver votre numéro. Et puis, mettez une deuxième SIM dans votre portable si vous pouvez le faire. C'est souvent ce qu'on fait. Effectivement. En tant qu'expatrié. Ouais. J'étais parti en Belgique et j'avais effectivement un téléphone double carte SIM. Ouais. Je ne voulais pas faire de pub pour. Non, mais c'est Pierre qui a commencé, de toute façon. On les adore, nos amis belges. Hein, moi, je fais la pub pour Belgique en buvant de l'eau, donc c'est pas grave. On est parti, de toute façon.
Ouais. Il y a un dernier point qui sera le NIE. On peut peut-être l'évoquer très rapidement. Je sais que le live a déjà duré un petit peu pour certains parents. N'hésitez pas en parallèle, si vous êtes présent sur le live, à poser des questions dans le chat. On y répondra avec plaisir. Ouais. Sinon, on va aborder le dernier point pratique pour la vie en Espagne, c'est le NIE en cas de la propriété d'émission. Et Lina, je pense que vous pouvez en dire à nouveau un peu plus. Oui, oui, oui. Alors le NIE... ça fait peut-être un peu peur au début, mais c'est pas grand-chose. Il faut savoir que c'est le numéro d'identification des étrangers résidant en France, et c'est un document qui va vous être utile quand on réside en Espagne. Souvent, bah, si vous voulez avoir une carte SIM, ouvrir un compte bancaire espagnol, etc., c'est un numéro qui va vous être demandé. Acheter une résidence secondaire, ça en fait partie ? Tout à fait. D'accord. Ouais. Alors, j'aurais pu répondre à la maman. Oui, oui. Après, voilà, ça dépend un peu des banques, ça dépend des assurances. Parfois, on peut, par exemple, faire une réservation de logement avec un passeport. Donc, par exemple, le NIE, il n'est pas obligatoire en toutes circonstances, mais dès qu'on veut travailler sur place, il le faut. Dès qu'on veut avoir un compte bancaire en Espagne, il le faut. Des choses vraiment... en fait, c'est le numéro d'identification financier et... Donc voilà, oui, c'est important pour des... C'est un peu la même chose qu'avoir un numéro de sécurité sociale en fait en France. C'est un peu l'équivalent du numéro de sécurité sociale en France. Oui, et pour le demander, il faut attendre d'être sur place. Les ambassades, elles ne vous le donneront pas. Il faut se rendre à la police. C'est pas commun, mais voilà, il faut aller à la police de la ville de résidence et demander ce numéro-là. Et notamment pour les étudiants européens, c'est bien d'avoir le certificat de résidence européen. Donc, plus que les NIE, c'est juste la petite carte verte qui vous permet voilà, de le présenter à la police si on vous le demande, etc. C'est le certificat de résidence qui est couplé donc au numéro NIE. Et c'est intéressant, ça, de l'avoir, surtout pour faire valoir peut-être vos années de résidence en Espagne. Vu que vous allez y résider pendant 5 ans au moins, eh bien, si des fois vous trouviez, je sais pas, l'amour et que vous souhaitiez à terme prouver que ça fait X années que vous résidez en Espagne, eh bien, c'est bien de l'avoir demandé dès le début et vous n'aurez pas de problème. Vous serez dans les livres depuis le début. C'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, de toute façon. Ça semble vécu. Ouais. alors justement, bien sûr, tout ça, ça peut faire un peu peur à la police ou autre. C'est finalement une procédure extrêmement classique, extrêmement ouais. basique. Hein. C'est simplement aller chercher un formulaire, le compléter et le renvoyer au poste de police. Ah, il faut se rendre sur place, par contre. Il faut prendre rendez-vous et on pourra expliquer les différentes étapes en temps voulu, parce qu'il faut quand même déjà, à mon avis, être admis et aller sur place. Mais c'est pas facile au début, mais quand on est bien conseillé, il n'y a pas de problème. Alors, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Est-ce que je peux vous proposer de faire un dernier résumé très rapide, et ensuite, si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas à les poser. Et puis sinon, je pense qu'on pourra vous laisser, si tu es d'accord, Pierre. Ouais, tout à fait. J'accepte alors, ta requête. Merci. Alors, un petit résumé. Donc, 3 étapes, dossier scolaire, les tests de langue et l'entretien de motivation. Ensuite, réponse positive ou négative. Si la réponse est positive, vous aurez entre 1 semaine à 10 jours pour valider ou non votre inscription. Et si vous voulez valider votre inscription, l'université vous demande des frais à son place et les frais de création de dossier. Une fois que c'est fait, rendez-vous à la rentrée en septembre pour le reste des frais de scolarité qu'on a donc évoqués tout à l'heure et que vous pouvez consulter dans la brochure plus bas. Prenez en compte que c'est 5 ans, qu'il y a des frais de logement et des frais de nourriture. Une fois que c'est fait, nous, on pourra vous aider sur d'autres services pour toute la partie pratique, sur la recherche de logement, sur le crédentiel d'accès ou autre. Et ensuite, eh bien, vous pourrez profiter de vos études et notamment, bien sûr, revenir en France si vous le souhaitez ou pas, si vous avez trouvé l'amour entre-temps. Mais sinon, revenir en France pour exercer le métier de pharmacien en officine ou ailleurs. OK. Voilà pour le résumé. Bon, bah, ouais. Très concis, très clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louis. Alors là, je vois qu'on n'est pas grand monde hein, sur le chat. On a, en tout cas sur le live, on a 5 spectateurs qui sont sur YouTube, sur la chaîne de Students Mobility. Si ces 5 spectateurs veulent s'annoncer sur le chat, s'ils ont des questions, n'hésitez surtout pas à nous en faire part.
Et si vous pouvez nous lâcher un petit pouce bleu et vous abonner à notre chaîne, ça serait super. Nous, ça nous aide beaucoup pour faire la promotion de notre chaîne YouTube destinée à vous donner un maximum d'informations pour vos projets d'études et vos projets de vie en Espagne. Et pour rappel, pour concrètement Coyote, revenez vers nous, soit le nom des universités qui vous intéressent, que vous avez déjà en tête parmi la brochure que vous pouvez télécharger. Et ensuite, nous, on vous enverra vos dossiers et on vous accompagnera sur tout ce qui est test et entretien de motivation et sur la partie administrative. Et si jamais vous ne savez pas encore quelle université vous intéresse, vous avez d'autres questions, prenez rendez-vous avec l'un de nos conseillers, notamment sur notre site internet. Oui, il y a effectivement un formulaire de contact sur www.studentsmobility.com/contact. Vous allez pouvoir remplir un formulaire et ça va vous renvoyer sur un lien de réservation d'un créneau, un lien calendrier. Vous allez pouvoir réserver un créneau et nous, on vous rappelle directement au numéro que vous aurez indiqué. Ce lien est également disponible dans la description. Vous pouvez directement prendre un rendez-vous. Alors, cette semaine, il reste quelques créneaux, je pense, disponibles vendredi, mais on n'est pas chargé en ce moment. Donc, dès la semaine prochaine, il reste des places. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre effectivement un rendez-vous avec nos agents. Je pense que, on a fait le tour. Malheureusement ou heureusement, on a été tellement clair qu'on n'a pas de questions sur le chat. Je pense qu'on va effectivement se quitter là parce qu'on a quand même encore pas mal de pain sur la planche. On est en plein dans les admissions et dans les constitutions de dossiers. Je pense que c'est bon pour moi. Il me reste plus qu'à vous remercier, Nina et Louis. Merci en tout cas pour vos informations, pour vos éclaircissements. C'est toujours un plaisir de partager ce petit moment de live avec vous sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas le pouce bleu, s'il vous plaît, chers spectateurs. On se dit à demain. C'était le dernier live avant les prochains. On n'en refera pas tout de suite. On a prévu des petites vidéos sur un format plus court qu'on va vous faire parvenir directement sur la chaîne YouTube avec des thématiques extrêmement précises. Sur le processus d'admission, sur le crédentiel des accessos, etc. L'entretien de motivation. Entretien de motivation, tout ça. Donc ça, c'est en préparation et on vous les partagera dès que tout sera prêt, monté et prêt à être visionné par l'ensemble des étudiants qui veulent poursuivre le rêve espagnol à Madrid, à Valence ou je ne sais où en Espagne. Merci beaucoup Nina, merci beaucoup Louis. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous, passez une très bonne soirée et à très bientôt pour les tutos d'Espagne. À très bientôt, au revoir.